ce moment où Rutherford écoute un compteur Geiger qui enregistre les clics que donne la désintégration lente de l'uranium. Il est tout à fait surpris de se rendre compte que cette séquence temporelle, avec ses clics plus ou moins fréquents, a quelque chose qui semble être tout à fait au hasard. Il n'y a pas de cause possible à cette séquence. Cet élément de hasard ne nous permet donc pas de fixer définitivement ce qui va se passer. I'm
s'aperçoit qu'un musicien qui crée son œuvre augmente le terrain des possibilités. Chaque créateur introduit des éléments nouveaux qui permettent à d'autres créateurs d'aller encore plus loin. Y avoir des événements qui n'ont pas de cause et quelque chose qui est contraire à la pensée. Elles ne sont pas déterministes, comme on dit, elles sont probabilistes. S'il y a des choses qui sont non déterminées complètement, ça ouvre la place à la liberté.